Salut à tous, c'est les stats 0 et 25. Me voilà de retour sur cette fois-ci Moto Racer 4. Alors, là j'ai jamais fait encore, donc je vais découvrir le jeu. Alors, je sais que apparemment il y a eu pas mal de critiques sur le jeu, comme quoi qu'il était nul et tout. Mais moi j'aime bien les challenges, vous savez, même quand on dit que les jeux sont nuls, bien souvent je les prends. Et puis bien souvent, bah ils me plaisent. Donc après c'est chacun ses goûts. Forcément, on n'aime pas tous la même chose. It's logique, hein, je dirais. Donc voilà, c'est vrai que en plus c'est mon premier jeu de moto, parce que c'est vrai que même sur PS3, j'ai jamais eu de jeu de moto à part Burnout Paradise, je crois. Ouais, c'est ça. Vous avez rajouté les motos au bout d'un moment. Donc, était plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, ça reste un de mes jeux préférés, d'ailleurs, que je joue très souvent. Mais bon, voilà. Donc, c'est mon premier jeu de moto sur PS4. Donc, on va voir. On va lancer. Alors, on peut voir déjà dans les menus qu'il y a le mode carrière, partie rapide, écran partagé, ce qui est plutôt pas mal. Bon, je pense que c'est en mode local. Mais en ligne, je pourrais pas montrer en ligne, hein, je suis en train de télécharger la mise à jour, donc une mise à jour qu'il y a, en plus ça il y a plus de 2 Go, presque 3 Go de mise à jour, donc du coup je ferai ça peut-être plus tard, ou je sais pas, on verra bien. Donc peut-être une partie rapide, voir comment ça se passe. Alors il y a course unique, championnat, il gagne à la course, championnat multicourse, classement par points. Ok, t'as ma table, battez le meilleur temps total des tours sur 3 tours. Voilà, c'est des trucs logiques. Hot lap, battez le meilleur temps autour, nombre de tours illimité. Donc ça c'est illimité, d'accord. Bon, on va en faire un. Course unique. Double sens. Grille ondulante. Alors un joueur, course unique, c'est ça. Ok, on va prendre ça pour le moment. Ah oui, d'accord, on peut se déplacer à droite à gauche. Et là, tout ça, ça te bloquait, je pense. Ah non, même pas. Ah, il y a du dirt. Et de l'asphalte. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a deux modes. Il y a le mode asphalte et le mode dirt. D'accord, ok. Ça, j'avais pas fait attention, en fin de compte. Asphalte et le dirt, d'accord. Ok, donc on va essayer l'asphalte. Hein. On va prendre le premier. Voilà. Nombre de tours, 3. Bon, on va laisser. Nombre d'intérieurs. On est au max. Un niveau confirmé, on va faire confirmer, débutant, n'importe, y'a quoi, pro, fou furieux, on va faire confirmer pour le moment, hein, je sais pas, voilà. Wow, ouais, je l'ai tenu, on dirait des Bioman. Putain, c'est des Power Rangers là les gars. On a le droit à des Power Rangers. Bon, il y a des personnages à débloquer. En tout cas, il y a l'air d'avoir des trucs un peu loufoques, on voit un peu des petites oreilles sur la tête, des petites crêtes. Donc, on aura donc des personnages à débloquer, ce qui est pas mal. Bon, c'est tout, moi je vais prendre force rouge, hein. Sokudo. Ok, on peut changer la moto aussi. Ok. Là pour le moment, la droite est seule. Ah non, Waller série A. Stratos F1 R12-7. Oh, je prends n'importe, je prends celle-là. D'accord. Changer la couleur. On va rester en force rouge. Customiser. On peut customiser. Ah oui, d'accord. La combinaison. On peut customiser la combinaison. Le casque. Les emblèmes. Et le carnage. Ok, d'accord. Bah, apparemment, c'est que les couleurs. C'est juste les couleurs qui différencient. Donc, ok. Ok. Ah non, j'ai cru que c'était que les couleurs. Non, il y a plusieurs logos. D'accord, ok, bon, c'est plutôt pas mal. Même si les dessins, hein, ils sont pas terribles quand même. Hein. On dirait vraiment des dessins. Des dessins un peu bizarres quand même. Ok. Bon, allez, on va prendre ça. Et carnage. Attends, carnage. Comment on fait pour revenir? Voilà. Et carnage. Ok. Ok, après on peut changer comme on veut. Hop, hop. Ok, c'est tout. Je vais en mettre jaune. Ok. Bon, on va valider. Progresser dans le mode carrière pour débloquer de nouvelles techniques de pilotage. D'accord, donc du coup,
faudra aller en mode carrière, de toute façon, obligé. Hop, c'est tout, on y va. On y va, course unique, gagner la course. Il paraît que Bolt me déteste, eh bien, je dois avouer que c'est réciproque. Mais soyons honnêtes, je suis sûr que tous les pilotes ont ce que j'appellerais un némésis. Ok, avec des répliques à deux balles, bon, bah, c'est tout. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Ok, Côte d'Ambre, double sens. Ok. Certaines actions sont plus fortes, mais c'est le problème. Ok, on peut faire sur une roue. Mais c'est vrai que la sensation de vitesse, honnêtement, on l'a. Là, il y a pas de souci. Il y a même des camions, bien. Je me suis planté. Ok. Ah non, contre sens, là. C'est quoi que tu fais? En tout cas, c'est très rapide, on sent la vitesse. Wow. Par contre, c'est vrai que c'est très rare quand même. Si on cherche une simulation, c'est pas... J'appuie sur pause, technique de pilotage, d'accord, donc il n'y a rien du tout. D'accord. Il y a juste à rouler. Ah si, quand on appuie sur F3, on voit la barrière. Voilà. Sinon c'est tout. Ok. Ah non. Ok. Et là, en appuyant sur un A, il fait des trucs, il sort bien, je crois que... Il appuie sur A, ça sort là. Ok. On a 2 sur 3, et on est forcément dernier, malheureusement. Ah si, je les vois, je pars. Ah, bah j'étais un peu bon là.
Bon, je suis là mon dernier, je crois. Sokudo. C'est plutôt pas mal. Bon, alors, en tout cas, les sensations de la vitesse est au rendez-vous. Après, la maniabilité du jeu, je pense que franchement, il n'y a pas de problème. Ça passe bien. Après, les championnats. Donc, j'ai fait course unique, championnat. Je regarde un peu comment ça se passe. Tac. Donc ça que 10 points je pense vraiment. On a circuit aléatoire, mode reverse. Ok. Ok. Time attack, battez le meilleur temps total sur 3 tours. Donc on va regarder peut-être le mode carrière en vitesse comme ça. Alors bienvenue dans le Motoracer 4, vous êtes ici dans le mode carrière, c'est là que vous mettez à l'épreuve vos capacités de pilotage dans une succession de challenges toujours plus relevés. Pour commencer, faites un tour dans le paddock puis sélectionnez l'un des deux premiers chapitres, ils sont parfaits pour démarrer en douceur. Bonne chance. Ok. Donc on peut pas avancer pour voir parce qu'apparemment il y a d'autres lignes, donc je peux choisir entre deux seulement. La terre vue du ciel ou le bitume d'acier. Bon, on va en faire un. On va en faire un et paddock. C'est quoi paddock? Ah oui d'accord, c'est ça. L'entrée des artistes. Vous voici dans le paddock. C'est ici que vous ferez connaissance avec les pilotes. Ils possèdent tous une moto tout terrain et une autre taillée pour la vitesse. Chacune customisable et améliorable comme vous le souhaitez. Remportez des challenges pour débloquer de nouveaux pilotes et exploiter tout leur potentiel. Ok. Ah par contre, attendez. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas fait aussi avant. Ok, moi je vais prendre ce couteau, hein, je garde une même. Oh, je vais prendre, allez, je vais prendre lui. Go. Oh. Ok. Donc on va faire le premier là. Hop. Et là c'est quoi? Le bitume à l'acier. Alors survie, le chrono tourne, chaque checkpoint redonne le temps. Échauffement, thermostat 9. Ok, et là c'est quoi? Course unique, gagner de la course. Ok, donc il y a le mode survie et mode course unique. D'accord. Classez-vous premier pour 3 étoiles, 2, 2, 3, 1, objectif du style 3000. D'accord, ok, on va essayer. Arc avec les temps, nanana. Si vous ne remplissez pas votre objectif ou si vous abandonnez, les étoiles déjà gagnées sur ce challenge seront retirées de votre total. Ah bon? D'accord. Ah, je suis corsé comme performance précédente. D'accord. Ok, bon, ouais, on va y aller. On va essayer ça. Le chrono tourne, chaque checkpoint redonne du temps. Survivez pendant 1:30. Un conseil, si vous voulez un jour aussi vite que moi, pensez à garder votre turbo activé le plus longtemps possible. Ouais, ben, à mon avis, ça doit pas être évident quand même. Hein. Mais bon, on va voir. Donc là, c'est la survie. Alors, code down, double sens, ok, bon, c'est le même. J'ai cliqué un peu trop vite sur la croix, mais c'est pas grave. On va voir si je vais m'en sortir. Je suis tout seul alors, il n'y a pas de fonction avec moi.
bien sur la route. Challenge terminé, objectif 1.30, je voulais être sur vite 1.30. Et j'ai eu mon premier trophée. D'accord, bravo champion, pour la prochaine on vise plus haut. D'accord. D'accord, ok. Ok. Bon là, jusque là, ça va. Premier succès, et voilà, c'est facile, vous avez gagné votre premier channel. Le chemin vers le suivant est débloqué, mais il semble s'arrêter sur un genre de cadenas. Pour l'ouvrir, le deuxième chemin qui mène à lui doit aussi être débloqué. D'accord. Purée, t'es obligé de débloquer les deux pour aller là. Ok. Ok, bon ça je ferai ça plus tard. Bon c'est tout, je ferai ça plus tard. Par contre, il y a un truc que je voulais aussi regarder dans la course unique. Parce que là on avait fait l'asphalte et on n'avait pas fait le dirt. Donc du coup on va faire un terrain dirt pour terminer cette vidéo. Donc sentier, tac tac. Oh, on va prendre ça, il y a l'air d'avoir beaucoup de sauts de tremplin. On va voir ce que ça donne. On va faire confirmer quand même. On se l'a dit confirmer. Hop. On y va. Hop. On va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, personnellement, c'est le genre de style qui me plaît. Hein. C'est vrai que c'est très arcade, hein, mais bon. C'est plutôt pas mal, je trouve. Les sensations sont là, en tout cas. Après, est-ce que... après, sur la longue, c'est de se demander si ça va pas être répétitif et tout. Mais, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Là, on va voir un peu le dirt, ce que ça donne. Dérapage à quatre corps. Déraper dans les virages, l'énigme. Oh, attendez, c'est assez différent de déraper dans les virages. Mais c'est tout. Ah ouais, son atterrit sur deux roues, ça enclenche le turbo, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Oh non, ah d'accord, il y a du début là. C'est pas possible. Oh. Merde. Ah. Hop, on va essayer de tirer sur... Ah, il a fait des figures, on fait plein de figures. Thank you.
7 sur 10. Je suis 7ème. C'est pas évident quand même. Ça demande une précision assez folle. Quoi. On va aller là. Hop, je crois pas que j'avais fait sur. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'avant on avait l'habitude d'avoir des terrains qui tournent en rond. Là, il y a plusieurs possibilités de chemin. Et c'est vrai que ça rend. C'est plutôt pas mal, enfin, ça change un peu de la routine. De toujours tourner en rond et d'avoir qu'un seul chemin à faire. Là, c'est que c'est plutôt. C'est plutôt pas mal. Avec un petit peu plus d'entraînement, je pense que ça peut le faire quand même. Donc c'est tout, je pense que je vais arrêter là pour cette présentation de Motorizer 4. Je sais bien qu'il y a aussi un mode en PSVR, donc je pense que je le ferai. Je pense qu'il est peut-être dans la mise à jour que je suis en train de télécharger actuellement. Et puis bah sinon voilà, il n'y a rien de... Non, écran partagé, ouais, pas de TV, non, forcément. Donc voilà. Donc c'est tout, j'ai arrêté cette vidéo pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, j'en ferai à mon avis une autre vidéo pour présenter le mode PSVR avec Motorizer 4. C'est tout, je vous dis à très vite pour une très prochaine vidéo. Bye bye.